14h15, Pierre Urmic prend possession de son bureau de maire. Un lieu symbolique occupé depuis 73 ans, entre autres, par Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. Ça fait 25 ans que je vais dans ce bureau. Vous vous rendez compte ? 25 ans que je vais dans ce bureau. Donc c'est la première fois que je vais dans ce bureau. Je ne suis pas sûr que la première fois que je suis dans ce bureau, c'était donc en 1995. Je pensais que 25 ans plus tard, je l'occuperais. Mais voilà, c'est l'histoire avec un grand H. Et donc je suis très content d'être dans ce bureau de maire de Bordeaux. Je suis très ému aussi. L'écologiste a été élu maire en fin de matinée avec 48 voix, soit l'intégralité des élus de sa liste Bordeaux Respire. Dans son discours inaugural, il annonce d'emblée vouloir déclarer l'état d'urgence climatique à Bordeaux, tout en refusant l'idée d'une écologie punitive. Je veux aussi rassurer les acteurs économiques locaux que je sais inquiets. Nous n'allons pas renverser la table. Nous allons la réparer. Nous soutiendrons les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire dans la mesure de nos moyens et compétences et nous accompagnerons activement les mutations imposées vers une économie moins carbonée. La séance s'achève avec la prise de parole des élus des différents groupes, dont celle du Républicain Nicolas Florian, maire battu dimanche dernier. Nous sommes dans un esprit constructif, mais je serai de la plus grande vigilance sur ce qu'est Bordeaux aujourd'hui, cette ville transformée, cette ville où il fait bien vivre, où il y a un lien social particulier, et je ne transigerai pas sur cet équilibre qui doit perdurer dans notre ville. Les 65 élus ont ensuite rejoint les jardins de la mairie pour la photo officielle. Ce dimanche, la majorité municipale se réunira pour définir et attribuer les futures délégations. On connaîtra la répartition et le nom des adjoints lors du prochain conseil municipal, vendredi 10 juillet.